Donc voilà, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui pour évoquer donc à la fois la religieuse qui vient d'être projetée et aussi vos diverses collaborations avec Guillaume. Donc, après, il me semble que ça a commencé avec La Clé en 2007. C'est ça. Ça s'est poursuivi avec Holiday ça, en 2010. Une partition sans texte, ouais. La Clé. Tout à fait. Juste décrit. Décrit. Et ensuite Holiday en 2010, oui. La religieuse donc en 2013, L'enlèvement de Michel Houellebecq en 2014. Et enfin, récemment, Thalasso, 2019, dans lequel vous interprétez votre propre rôle. Oui. Donc voilà, nous allons parcourir tout cela. Plus une apparition dans Gorgi, dans l'affaire Gorgi. Tout à fait. Oui. Là, les vitres explosent. Bon, c'est quand même très risqué avec Guillaume, quand même. Voilà. Non. Je ne sais pas, peut-être vous poser des questions ou... Moi, j'ai envie de dire que c'est chaque fois que j'ai un téléphone de Guillaume, je suis vraiment très contente parce que c'est quelqu'un qui, à chaque fois, m'envisage dans une chose que moi, j'aurais jamais envisagée et qui varie tout le temps. Donc ça, c'est des cadeaux formidables pour des acteurs que des metteurs en scène leur proposent vraiment des choses inattendues, du genre courir derrière les Atlantes dans un relais château à côté de Cahors. Ben oui, on dit, ah ben oui, oui, ça j'aime bien. Enfin, voilà, donc chaque fois, et puis après, la religieuse qui n'a rien à voir, et puis les aventures Houellebecq. Donc c'est vraiment, je le remercie vraiment beaucoup, et voilà, d'élargir le champ des images un peu convenues, parce que avec l'âge qui arrive, qu'est-ce que je vais faire la grand-mère, hein, qui fait un gâteau au yaourt? Bon, ça va, quoi, ça va, c'est pas quelque chose qui excite le matin quand on se lève. Donc, même si, bon, c'est bien de faire un gâteau, je crois qu'elle fait du bon café aussi, non, la grand-mère, en général, dans les images, elle fait du bon café. Mais la vie est plus riche que ça, et je déplore le manque d'imaginaire des scénaristes et qui cantonnent les gens non plus en tant que personne, les acteurs en tant que personne, mais en fonction. Et j'avais animé une semaine de stage scénario à la FEMIS, et donc ils avaient préparé des scénarios, avec un thème obligé, mon Dieu, les malheureux, c'était Valmont, en fait, le personnage comme ça, donc ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec ça. Et on a quand même travaillé sur les histoires de comment définir un personnage. Et je leur ai dit, écoutez, en principe, vous allez être là dans les 10 années à venir, parmi les scénaristes peut-être confirmés. Donc je vous demande vraiment une chose, c'est de sortir des stéréotypes. Vraiment, ça, c'est pas compliqué. Elle peut faire son gâteau à yaourt, et à ce moment-là, et ça ne coûtera pas plus cher pour le plan, il y a un coup de téléphone qui lui demande où sont les os machins du squelette qu'on a trouvé la semaine dernière. Donc ça donne quand même un autre éventail pour ce personnage-là. Ou ça peut être les plans du... je sais pas, ça peut se trouver. Mais voilà, moi ce que je souhaite vraiment, c'est qu'il y ait quelque chose qui change un petit peu, quoi. Voilà. Bon, je prends mon café. Allez, ça. Et alors? Donc Guillaume Niclou nous disait hier qu'il ne faisait pas de casting, en fait, qu'il allait directement vers les acteurs, ou que c'était des gens qu'on lui présentait, ou des gens avec qui il avait envie de tourner. Alors vous, comment ça s'est passé la première fois? Est-ce que vous le connaissiez? Il est venu vers vous? Alors j'ai un souci avec ça, parce que Guillaume m'a dit un jour qu'il m'avait vu, qu'on s'était rencontré il y a très longtemps. Et je ne me souviens pas de ça, je ne sais plus ce que c'était. Les choses qui, pour moi, ont redémarré avant La Clé, justement, c'est Brigitte Moiton qui s'occupe tout le temps des castings de Guillaume, qui lui avait dit, faudrait que tu le rencontres et tout. Et je jouais au théâtre à l'époque à Bordeaux. Donc je suis arrivée dans un bureau à Paris avec ma valise, en disant, écoutez, j'ai un train là tout à l'heure, hein, pour aller jouer, il faut pas traîner. Enfin, bon, voilà. Et puis, il me dit, bon, bah, c'est bon, d'accord. Et puis après, Brigitte m'a rappelé en disant, écoute, il y a deux rôles que tu pourrais faire. Tu as la belle-mère qui vient avec le gâteau d'anniversaire. Et moi, mon gâteau, ça me fait vraiment ça. Et puis, celle qui est folle. Alors j'ai dit, celle qui est folle. Et c'était ce personnage
de femme qui est dans un état de douleur absolue, qui hurle, enfin, qui on a arraché l'enfant. Enfin, bon, c'était... Donc, c'était ça, la première rencontre. Et puis... alors, moi, je pleurais dans mon coin. Je savais jamais quand ça s'arrêtait. Et ils m'ont laissé pleurer beaucoup. Et puis, il y a eu un plan aussi où j'étais à l'hôpital et où Guillaume Canet arrivait et il y avait l'histoire d'une petite croix, d'une petite clé. Une petite clé. Et moi, j'étais tellement dans mon état de mort précoce à l'hôpital que je ne les ai pas entendus entrer du tout. Et ça a duré 5 minutes. Au bout d'un moment, quelqu'un m'a dit « Ils sont là déjà !» Donc, mais j'étais partie vraiment, donc... et j'étais très bien. Enfin voilà, les premiers rapports de tournage. Je sais aussi que... Alors, ça c'est ce qu'on m'a rapporté. J'étais donc la sœur de Jean Rochefort. Et je lui pleurais sur le pull. Et chaque fois je lui disais, je suis désolée parce que il faut changer le vêtement, quoi, parce que pour le raccord. Donc, etc. Et je crois qu'il a dit, oh mon Dieu, elle me fait peur, je ne veux plus la voir, celle-là, parce qu'elle me fait peur. Bah, le personnage n'était pas non plus en train de faire les mondanités, quoi. Donc, ça, bon, j'avais incarné, quoi, Alors, à vous. Et alors, mais en l'occurrence, pour la religieuse, là, c'était en contre-temps, vous n'étiez pas la folle ou quoi que ce soit, justement, vous étiez un peu la marraine, la bonne fée pour ce personnage et le seul éclat de lumière un peu là-dedans, donc là c'est un travail un peu différent. Et donc comment est-ce qu'il est venu vers vous pour la religieuse? Bah, comme il vient chaque fois, c'est-à-dire qu'il m'appelle, il me dit « Est-ce que tu es libre tel jour ?» Je dis « Bah oui, oui, je suis libre. » La religieuse c'était un peu plus long, parce qu'on a quand même tourné 2 à 3 semaines en Allemagne, je pense, hein, il me semble, hein, c'était ça. Hein. J'ai pas le sens des dates. Mais donc... Et il m'a proposé ce personnage. Alors, moi, j'avais vu la religieuse 1, hein, Rivette, et puis... mais j'avais un souvenir... Ça faisait quand même longtemps, donc j'avais pas un souvenir très, très précis. Et moi, je pars toujours avec... je sais pas, un certain enthousiasme, en fait, dans les propositions de Guillaume, parce que... Bon, c'est vraiment explorer autre chose, et... Comment on prépare un tournage? Je sais pas, on apprend le texte, et puis le texte fait son chemin, et puis on est en confiance ou pas, avec les gens autour, et moi je pense que c'est surtout ça, c'est vraiment... tout dépend tellement des relations des personnes, c'est-à-dire que... Là, dans le cas précis, j'ai pas de souvenir de ce qu'on appelle de direction d'acteur. Direction d'acteur, c'est éventuellement dire un peu plus fort, un peu moins fort dans ce cas-là. C'est pas. Je pense que hier, vous disiez qu'il choisissait les gens qu'il connaissait, qu'il faisait pas de casting. Donc je pense qu'il attend ce qu'on est capable de lui donner. Et. Drôle de question. Moi, je sors de la projection, j'ai été bouleversé par ce film. Oui. Et ce qui, je trouve, ressort très fort, c'est l'empathie de tous les personnages, qu'ils soient d'ailleurs désagréables ou agréables. Comment on arrive à avoir cette justesse sur un plateau? C'est ça dont j'aimerais vous nous parler en tant que comédien. Comment on arrive à se mettre dans cette situation qui fait que c'est... Ça ne fait pas mis en scène, on a l'impression d'être dans la vie, alors que tout est reconstitué, on est dans un truc historique. Est-ce que ça se fait sans trop qu'on en parle? Est-ce qu'il y a tout un travail autour de ça? Bon, il y a une mise en scène hein, quand même, hein. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où on est placé, et la caméra sait qu'elle va faire telle et telle chose. Donc ça, c'est pas une improvisation, enfin c'est pas... Même si ça donne le sentiment d'un réel immédiat, enfin palpable, ça n'est pas d'abord, on n'est pas en train d'improviser, contrairement à Houellebecq par exemple, hein, le Houellebecq 1. Donc
Là, je ne sais pas, je crois qu'il y a une... ça, c'est les qualités de Guillaume, qui n'est pas un bavard, qui n'est pas un expansif vraiment, mais qui dégage une force et on a envie de... de ne pas décevoir d'abord, hein, de ne pas décevoir. Et je crois que ça a été... mais il est capable, effectivement, je l'ai vu, quand il n'était pas satisfait de ce qu'il avait, je l'ai vu réagir, hein, vraiment, et réagir assez, directement. Donc, je ne sais pas, c'est très magique, les histoires de cinéma. C'est-à-dire que... c'est pas tellement l'histoire du personnage à incarner, c'est pas tellement ça qui joue, c'est avancer dans une aventure avec une équipe. Alors quand on n'aime pas l'équipe, c'est dur, mais quand on a de l'estime ou de comment dire, de ouais, quand on est partie prenante et pas pour soi, pour le film, enfin pour la personne qui fait le film, je trouve que ça se met en place en général. Enfin pour moi. Est-ce que par exemple il met à l'aise ou au contraire des fois il peut provoquer ou agresser pour obtenir une émotion? Là je vais parler que de moi. Ouais, hein. Ouais. J'ai pas eu de rapport pour l'instant. Mais je l'ai vu pour, effectivement quand il n'a pas ce qu'il souhaite. Être assez direct, hein, assez direct et assez... en mettant en place, quoi. Alors, Guillaume Niclou, hier, quand vous avez évoqué, vous avez tout de suite parlé de Véronica, donc, le tempête dans le film de Jean Eustache, c'est un mot à la putain, qui est donc un fondement de sa cinéphilie. Oh, c'est mon fond de commerce. Voilà, bien sûr. Est-ce que il y a eu un dialogue entre vous aussi sur ce personnage? Est-ce qu'il avait cette fascination et... Non, on n'en a jamais parlé ensemble. Non, non. Et tant mieux, parce que moi, je suis toujours embêtée. Et non, je crois que... Mais ça... Bon, maintenant, je suis plutôt contente de cette histoire, parce que c'est quand même... ce qui me permet de faire le tour du monde, puisqu'on m'invite à droite à gauche pour parler de ce film, de La Maman. Mais c'est vrai qu'à un moment, ça a été très réducteur. C'est pour ça que je trouve que Guillaume est formidable, parce qu'il n'y a pas ce... Il s'est libéré de cette histoire-là. J'ai l'impression qu'il s'en est totalement libéré pour envisager autre chose par rapport à moi. Si tu as envie de dire autre chose... Dis-le comme, hein, qui ensuite sera là... C'est... Le monteur de... Bah, il est là maintenant déjà. Hein. Non, mais c'est à toi. Oui, mais... Je sais pas. Et donc à propos de... C'est vrai que t'es pas tellement sur le tournage. Tu es dans la pièce d'à côté. C'est ça. Oui. Parce que vous montez au jour le jour... Sur la religieuse, par exemple. Oui. Et pour le rôle que vous interprétiez donc, dans La Religieuse, vous parliez du film de Rivette il y a quelques instants. Oui. Est-ce que pour composer et interpréter ce rôle, vous êtes basé aussi sur... Non, je ne l'ai pas revu d'abord. J'avais vu il y a quoi, 40 ans, à peu près. Hein. Je ne sais plus. Et non, je n'ai pas revu. J'ai surtout pas revu. Parce que autant être en liberté par rapport à ce qu'on... On essaie de trouver, quoi. Et non, puis ça se joue aussi dans les relations avec... il y avait les petites avec Pauline, qui était toute jeunette, là. Et puis Alice de Langsin, qui était aussi sur place. Et qui était, les petites un petit peu, voilà. Il fallait les aider, quoi. Il fallait leur tenir un peu la main. Et je me rappelle quasiment à la fin du tournage là-bas en Allemagne, j'arrive et je les trouve toutes les deux en pleurs. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous arrive? Et elle me dit, oui, alors Guillaume nous a dit que... Non, je ne sais plus d'ailleurs. Mais elles étaient en train toutes les deux. Je dis, mais enfin, ça ne va pas là. Hein, vous allez prendre un peu, vous marchez, vous prenez l'air et puis on se calme, il n'y a pas de quoi. Hein. Ben oui, mais enfin, combien?
Je dis, non, ça suffit. Hein. Et alors, Alice de Lanzin est la fille de Caroline Champetier, donc, que je connais bien, que j'aime beaucoup. Donc, elle revient après, elle me dit, bon, ben, j'ai appelé ma mère. Ben, je dis, oui. Et qu'est-ce que t'as dit? Elle m'a engueulée. Ben, je dis, elle a bien fait, écoute. Donc voilà, c'était un peu ce... Finalement, j'étais la mère supérieure dans le concret, quoi, à peu près, quoi. Oui. Juste pour dire, parce que je crois que cette histoire, c'est... en fait, c'était le tournage d'un plan séquence en extérieur, il faisait moins 18. Et donc, c'était un plan séquence, il n'y avait aucune coupe. Et les comédiennes avaient du mal avec le texte, avec le froid. Ils l'ont refait, je crois, 15 ou 16 fois. C'était compliqué. Et Guillaume n'avait toujours pas ce qu'il voulait. Donc il a arrêté le tournage, ils sont allés déjeuner et tout. Je crois que c'est à ce moment-là qu'elles ont un peu craqué, qu'elles n'en pouvaient plus. Et puis ensuite, ils ont repris. Et ça ? Et elles y sont arrivées. Oui, oui. Mais sur Holidays, je crois aussi, j'ai le souvenir de 14 ou 15 fois la fermeture d'une porte par Valérie Lang. Et non, et Guillaume ne fait pas dans la dentelle dans ce moment-là. Hein. Et c'est vrai que les émotions de la porte, ça se joue délicatement. Mais donc il peut y avoir ça. Donc là, elles étaient jeunettes, vraiment c'était. Pauline, je crois que c'était. Non, c'était pas son premier film, mais c'était un premier film important. Enfin, donc elles étaient vraiment. Mais voilà. Donc c'est tout un rapport, c'est tous ces mélanges-là qui font qu'on joue d'une certaine manière. Aussi. Hein, c'est, on a un peu. Sentiment de. Voilà. Et non, enfin, il faisait moins 40 là-bas, écoute. Et pour parler de vous en tant que cinéphile, oui. Hier, Guillaume, on a évoqué Bambi, qui est son premier choc émotionnel au cinéma, et vous, j'ai en lisant une interview que vous avez donnée il y a quelques années pour Télérama, vous c'est évoquez Dumbo. Oui, oui. Oui, oui, oui. Ben, oui, c'est Dumbo. Et pareil, enfin, ça, c'est les récits familiaux, je ne me souviens pas du tout. Il paraît qu'on était au balcon, c'était en province, un cinéma au balcon. Et puis, je n'avais qu'une envie, c'est de passer le balcon pour aller dans l'image. Je me suis dit, quelle vocation, mon Dieu. Et vous aviez été étudiante à Sciences Po, et à ce moment, vous étiez pigiste pour la revue Images et Sons. À la base, vous prétendiez être réalisatrice, et puis finalement, vous êtes tournée vers l'actorat. Avec un jour stage, vous avez aussi fait de l'assistanat. Vous n'avez jamais eu cette tentation, du coup, de repasser la réalisation, à part pour les documentaires Vous savez, la vie, on fait comme elle arrive. Hein. Donc, je n'étais pas, a priori, partante pour faire l'actrice. Il se trouve que j'aimais le cinéma, donc que j'ai rencontré les gens des cahiers, et que ça a commencé par un court-métrage de Jean-Claude Biette, ce que cherche Jacques. Ensuite, ça a été un film avec Adolfo Arrieta, chez Marguerite Duras, Hanoufle, enfin. Et puis petit à petit, on arrive à la maman comme ça. Donc, moi, je n'avais pas envie a priori, quoi. Mais bon, donc voilà. Et puis, quant à faire un film, bon, il y en a eu plusieurs, dont un dont je revendique la maternité, qui est Crazy Quilt, qui est un film que j'ai fait sur mon rapport avec l'Angleterre. Qui est une sorte de biographie, enfin, d'essai biographique un petit peu là-dessus. Donc voilà, la boucle est presque bouclée, quoi. Et alors, quand on parle avec Guillaume Niclou et quand on voit ses derniers films, parce qu'en plus il a spécifiquement voulu qu'on parle des derniers sur ces 10 dernières années, il y a vraiment dans tous ses films un travail d'introspection. Et lui-même, quand il parle de son travail, il y a une forme d'introspection. Est-ce que vous la voyez chez lui et est-ce que vous, dans votre travail, vous faites aussi de l'introspection, est-ce que ça vous aide à trouver quelque chose, le cinéma? Oh ben ça occupe, hein. Mais je sais pas, je dirais pas ça aussi radicalement. Introspection, surtout pas, j'ai envie de dire. Au contraire, essayer d'être en libération des idées de soi, de l'image de soi, de la recherche de soi, etc. Pour arriver dans un état d'innocence, d'une certaine manière, de jamais rattacher à des choses qui m'appartiennent. Et en étant dans cet état d'innocence qui fait un peu peur, mais
qui après coup peut peut-être apporter des petits bouts de connaissances de soi, mais non, je fonctionne pas sur l'introspection là-dessus. Je trouve le personnage plus intéressant que ma personne, quoi. Donc, je sais. Et puis, j'ai pas tellement je dirais, j'ai pas. Quand on est au théâtre, on va répéter pendant 2 mois, hein, ou au mieux, quand il y a les budgets pour. Donc, il y a la parlotte autour du personnage, il y a l'élaboration d'une image, etc., petit à petit. Et. Moi, je ne fais jamais ça pour le cinéma, jamais. Enfin, vraiment, quand je disais tout à l'heure, j'apprends le texte, parce que c'est une banalité, c'est évident, mais en même temps, je le laisse travailler. Et surtout, j'essaie de ne pas le surligner, de ne pas mettre plus de sens, a priori. Je trouve que les textes, quand ils sont bien écrits, sont suffisamment forts, et ce n'est pas la peine d'en rajouter. Donc, j'essaie à ce moment-là d'être libre avec le texte. Ça veut dire le savoir suffisamment bien pour que j'ai plus à m'en occuper, qu'il fasse son chemin à lui. Et par exemple, sur le dernier Houellebecq Talasso, là, j'ai beaucoup travaillé le texte. Parce que c'était un texte difficile, dans la mesure où il y avait des ruptures de ton. Tout le temps, et que pour faire ça, et il fallait pas traîner, enfin, je me dis, on peut pas traîner, le personnage est pas en train de traîner, c'est pas Duras à ce moment-là, hein, on est dans autre chose. Donc, en plus, j'avais les jetons. Donc, et c'est vraiment par le travail sur le texte, par l'apprentissage, l'automatisme à venir du texte, que je trouve les choses petit à petit. Et alors justement, vous parlez de Talasso, vous jouez votre propre rôle, oui. Est-ce que ça fait une différence? Ah, moi je pense pas que je jouais mon propre rôle, donc ça ne fait pas de différence du tout. Non. Je joue Françoise Lebrun, donc ça n'a rien à voir avec moi, parce que d'abord je serais pas un clabour en peignoir de bain, et puis je ne parlerai pas de cette façon-là à Houellebecq ou à... de par Dieu, enfin, non, c'est un texte, je reviens sur l'histoire du texte, que j'ai vraiment appris, et pour être, voilà, libre. Et donc, j'ai pas ce sentiment d'être en train de faire Françoise Lebrun. C'est d'ailleurs, à la fin, c'était tellement drôle, parce que je répétais, ah, merci Jean-Pierre, c'est la faute de Jean-Pierre, etc. Et puis, on s'assied, il y avait Guillaume à mes côtés, je lui dis, mais c'est vrai l'histoire de Jean-Pierre? Tu voulais vraiment Jean-Pierre? Il me dit, ben oui. donc, voilà. Mais au départ, j'avais pas pensé... Enfin, c'était pas mon problème, j'ai envie de dire. Il avait écrit cette fiction de Jean-Pierre laissant sa place de Talasso. D'ailleurs, c'est vrai, je regrette qu'il n'y ait pas eu Jean-Pierre en cryothérapie, parce que il y avait des visions de... Oui, enfin bref. Donc, j'ai pas eu ce sentiment de cinéma vérité, non. Cette question vient peut-être aussi du fait que dans la pratique de ce film, Michel et Gérard, eux, donc, ont parfois des textes, mais aussi de longs moments d'improvisation. Par exemple, la scène où Michel Houellebecq se met à pleurer en parlant de son rapport au mysticisme, à l'au-delà, il paraît que c'est quand même quelque chose qui lui est propre. Donc dans la construction du rôle de Françoise Lebrun écrit par Guillaume, à aucun moment il vous a consulté et laissé faire des propositions d'interprétation? Non. Non, dans le précédent, Houellebecq, là par contre, tout était improvisé. Et donc j'avais 3 points. Il fallait que je me lave un dentier avec du produit vaisselle dans le lavabo, que je lui offre un pull, et j'avais une troisième mission, je sais plus ce que c'était, enfin bref, le piano. Mais ça, je n'avais pas su avant. Ça a été sur le tas, quoi. Donc. Et c'est un formidable compagnon de travail, Houellebecq. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'ego surdimensionné, il répond, il participe, enfin il invente, il a du plaisir à ça, enfin, nous c'est plaisant. Et alors ce qui s'est passé sur Talasso,
c'est que je commence et puis je vois mon Welbeck qui se met à improviser, etc. Je me dis, mais attends, c'est pas parce qu'on a fait la fois dernière qu'on le refait, cette fois-ci. Et puis, comme Welbeck improvisait, Depardieu a dû se dire, oh ben, s'il le fait, moi aussi. Donc, je me suis retrouvée avec les deux en train d'improviser et Guillaume disant, là, je veux vraiment le texte de Françoise dans sa totalité. Hein. Et on a arrêté, on a refait une prise, quoi, pour... Mais c'était... Bon, donc, il n'y avait pas d'improvisation personnelle, quoi. C'était un texte, une scène. Il y avait deux extraordinaires compagnons de travail, voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais est-ce que vous êtes familière, sinon, avec le cinéma de Guillaume Niclou? Est-ce que dans les films dans lesquels vous ne jouez pas, vous allez les voir? Est-ce que vous suivez l'évolution de son œuvre? Oui. Je suis vraiment toujours fascinée par cet éclairage, cette chose nouvelle qui arrive encore. Je ne dirais pas que je connais Guillaume. On se pratique un petit peu comme ça sur les tournages. Mais c'est vrai, je ne sais pas exactement. Par rapport à moi, ce n'est pas quelqu'un qui a passé son temps à se raconter, etc. Donc il y a une grande pudeur, il y a une grande. Donc quand je vois Valley of Love, je me dis ah bon. Et puis quand je vois un autre film, je me dis ah ben il y a ça aussi alors. Quand je vois le. Bon, ça, je savais qu'il y avait l'histoire du Vietnam, enfin du. Comment ça s'appelle? Les confins du monde. Du monde. Donc, qu'il était en préparation, que ça avait été long, etc. Mais quand même, c'est un autre univers, et c'est chaque fois. Je trouve que c'est un directeur d'acteur incroyable, parce que chaque fois, les acteurs sont vraiment formidables. Là, entre Gwitz, que j'ai trouvé formidable, Gaspard Ulliel, c'est ça, hein, j'ai trouvé vraiment, vraiment. Donc, et je pense qu'il doit être comme avec ce que j'ai traversé avec lui. Il n'est pas du genre à dire il faut faire ci ou ça. Il dégage quelque chose qui fait que les acteurs donnent quelque chose. C'est quelque chose de différent des autres cinéastes que vous avez pu côtoyer. Oui. Oui. Il n'y a pas la moindre complaisance. Enfin, ce que je ressens. Il n'y a pas de complaisance du tout. Bon, j'ai quelquefois travaillé sur plusieurs films avec le même réalisateur. Si c'est Vicky Ali, par exemple, enfin, bon. Mais Paul est très, très sentimental, donc très partageant ses sentiments, ses états d'âme, etc. Donc, j'ai moins de surprises quand je vois arriver les scénarios. Ou alors je sais, ou alors il me demande qu'est-ce que tu veux faire là. Enfin, je dis bon, bah tiens, il y a ça. Par rapport à ton film, il y a ça. Et Guillaume, pas du tout. Donc vraiment, chaque fois, c'est une grande curiosité, une grande étrangeté. Quand j'ai vu La Clé, j'avais lu le scénario plus ou moins, mais vu ma scène à l'hôpital où je dors et l'autre où je pleure, j'avais pas une vision d'ensemble du film. Et là, d'un seul coup, je trouvais qu'il y avait vraiment une douleur, une noirceur qui était là. Et puis, par contre, si on voit l'enlèvement de Michel Houellebecq, c'est un humour, c'est de la drôlerie. Et je crois que j'ai rarement, ça, depuis, je sais pas, les films américains comiques des années 50, j'avais pas ri autant. Enfin, donc... quand même, je ne connais pas de personne qui offre un tel éventail dans le cinéma actuel. Et je pense que ça, comme les gens sont dans les stéréotypes, dans les habitudes, dans les évidences, et ben ça doit le desservir parce que chaque fois, l'article, il faut le refaire, quoi. On ne peut pas mettre comme la fois dernière. Donc ça déclenche peut-être aussi, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais. Et en parlant de cet éventail, quand on a proposé cette rétrospective à Guillaume, il nous a dit qu'il aurait aimé se focaliser sur la dernière décennie, parce qu'il voit, donc ça fait 30 ans qu'il fait du cinéma, il voit vraiment trois décennies vraiment partagées. Ça commence avec de l'expérimental, du tournage au jour le jour avec Raoul Coutard, Michel Piccoli, oui. Ensuite c'est du thriller, du polar, de la comédie. Mais donc vous arrivez pour La Clé en 2007, et pour lui, cette,
cette donc, nouvelle décennie commence en 2009 avec Holiday, et c'est un véritable tournant pour lui. On passe dans quelque chose de beaucoup plus mystique, beaucoup plus introspectif, comme disait Mathieu. Il semble vraiment y avoir quelque chose de radical qui s'est passé dans son cinéma. Mais du coup, vous, entre La Clé et Holiday, est-ce que vous avez senti qu'en tant que personne, en tant que metteur en scène, il y a aussi eu un tournant, quelque chose de nouveau? Est-ce que c'était le même Guillaume Niclou sur Holiday que sur La Clé? Non, mais c'est pas le même personnage non plus. Donc on peut pas réagir comme ça. Non, c'est. Oh, puis c'était pas la même condition de tournage. On était tous dans un relais château, à peu près tous là-bas, à Cahors. Donc on se voyait autrement que quand on tourne à 49 km 900 de Paris, pour ne pas payer des vraiment, et que chacun rentre chez soi le soir. Donc c'est pas du tout le même. Et puis sur La Clé, c'était, je crois, 2 jours ou 3 jours de tournage, je sais plus, 2 jours peut-être. Sur Holiday, c'était beaucoup plus continu. Donc ça crée des rapports différents. Mais je n'irai pas, je ne me permettrai pas de dire que la personne a changé. Les conditions ont changé, et puis après, c'est le mystère des personnes. Et alors, quand vous évoquez votre travail d'actrice, ça semble être très naturel pour vous de jouer. Vous ne parlez pas de préparation, vraiment d'imprégnation du rôle. Je suis paresseuse. Donc c'est très naturel pour vous de jouer, vous n'intellectualisez pas. Mais j'aime la caméra. Et j'ai une grande tristesse récemment, parce que quelqu'un que j'aimais beaucoup en a terminé, c'est Pierre Lhomme, avec qui j'ai commencé, qui était à l'image sur La Maman. Et Pierre avait une telle présence apaisante sur ce tournage que ça m'a donné confiance dans la personne qui est derrière, qui est dans le noir derrière. Et du coup, effectivement, et quand je dis j'aime la caméra, c'est pas parce que c'est pour me voir, mais non, de moins en moins. Mais je sais pas, parce que c'est là où j'ai eu mes premiers échanges de confiance forte et que j'ai gardé d'une certaine manière. Après, il y a aussi les opérateurs photo qui disent que vraiment ils détestent les acteurs, tant pis pour eux. Hein. Et puis, je crois qu'il avait fait un film sur les animaux après, c'était mieux. Et puis, voilà, non, c'est pas. Non, c'est. Moi je veux bien dire que je ne prépare pas. C'est pas vrai, d'abord j'apprends vraiment. Je m'imprègne beaucoup de ce qui est écrit, pas seulement pour moi. Quand je connais un peu la personne, j'essaie de faire un peu médium, c'est-à-dire d'essayer de rendre ce qui est attendu. Et ça change à chaque fois. Mais c'est des moments que j'aime, effectivement, tourner. J'aime ça. J'aime ça parce que ça libère du présent. Ça emmène ailleurs. Et puis, j'ai un peu l'impression de savoir pourquoi je suis sur cette terre. Tout bêtement. Enfin, voilà. Est-ce que certains acteurs ne le font pas, mais d'autres le font? Est-ce que, par exemple, avant une prise, vous demandez quel type de focale va être utilisé? Je sais qu'il y a des acteurs qui vont adapter leur jeu. Est-ce que tout ça peut être la différence entre le théâtre et le cinéma? Non. Ça, je laisse. On sait en gros à peu près, d'abord, d'après le découpage, quelle sera la nature d'un plan. C'est sûr que si c'est un western, je serai au milieu du désert. Mais donc, en gros, on sait quoi. Je sais à peu près. Et donc ça moi je demande pas. Et je ris un peu parce que m'a raconté cette histoire que j'adore, qui était sur le tournage de Léon Morin prêtre de Melville, où il y avait une scène avec Emmanuel Riva et Jean-Paul Belmondo. Et Emmanuel, avec qui j'ai travaillé après au théâtre avec elle, qui est quelqu'un qui avait beaucoup de palpitations comme ça. Oh, ouvrez la fenêtre, oh, non, fermez la fenêtre. Bon, enfin bref. Donc Emmanuel demande à tout le monde, je voudrais 3 minutes de silence. Alors, tout le monde se tait sur le plateau pendant 3 minutes de silence. Et puis à la fin, il fait, on peut y aller. Et à ce moment-là, Belmondo hurle de rire. Et c'est une histoire qui,
pour moi, raconte vraiment les états de comédien impossibles, quoi. Quand j'ai commencé au théâtre, je détestais ça, j'aurais tué les gens dans la salle. Et il y avait deux pièces, et une pièce avec Patrick Chenet, après. C'était des pièces de Vinavert, deux pièces courtes. Et moi, c'était... n'ayant fait que du cinéma, j'avais l'impression d'être à l'étal de la boucherie, je détestais ça, enfin bon, bref. Tout vomi, enfin fait tout ce qu'on peut, quoi. Et puis, par contre, Patrick Chenet, dans sa loge, je pense qu'il y avait une FIFA quelconque, enfin un truc de foot quelconque. Alors, il était dans sa chambre, oui, quasiment, enfin dans sa loge, et je l'entendais faire waouh, formidable, waouh. Et puis, il entrait sur le plateau, puis il disait alors, il était mort, enfin bref. Et j'étais vraiment absolument admiratif. Je me disais, il peut à la fois être totalement dans le match, et puis, en passant sur la scène, l'autre côté, devenir un autre enfin, le personnage, qui est le contraire de ce que je venais d'entendre, quoi. Ah, c'est magique, les acteurs, hein. Mais hier, il nous disait qu'il essayait au maximum de tourner dans la continuité. Est-ce que ça, par contre, ça aide un peu? Je sais pas. Non, je sais pas. De toute façon, c'est jamais une vraie continuité. C'est pas... on fait un arrêt, on fait 15 fois la scène, deux fois ou trois fois, et puis on repasse à la suivante, même si c'est en continu dans le scénario. Mais c'est pas une vraie continuité comme au théâtre. On a d'un seul coup à faire tout le chemin d'un seul coup. Donc, si on, enfin, je sais pas, moi ça me pose pas de problème de le faire en discontinu. Bon, je fais le travail qui consiste à relire ce qu'il y a entre les deux pour voir où en serait ce personnage à ce moment-là. Mais, je sais pas, je me pose pas vraiment la question de ça. C'est tant mieux. Tant mieux, parce que si je dois faire une course et arriver essoufflé, s'il faut refaire la course pour rattraper 8 jours après, non, ça j'aime pas. Mais autrement, on sait que c'est du morceau, le cinéma, que c'est des morceaux. Et j'ai entendu des monteurs, non des monteuses d'ailleurs, dire « Ah, j'ai sauvé le film !» Oui. Et je me dis « Mais attends, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que que le film en lui-même n'était pas assez fort ? Je sais pas. Mais j'ai entendu ça et ça m'a vraiment troublée parce que je me suis dit, et puis c'était à s'ajuster, enfin à s'accumuler des choses du genre, oh, les acteurs, je les vois alors sous tous les angles, hein, et il y a des moments où ils sont vraiment pas bons. Je ne sais pas ce qui se réglait, tu vois. Mais il y a ce côté, quand je dis le cinéma, c'est des morceaux. Et effectivement, c'est bon, on a un dénommé Pavlov qui a déjà fait des choses comme ça, quoi. Mais on sait que selon l'accord d'une image et d'une autre image, ça peut être une façon différente de présenter l'histoire. J'ai envie de dire, moi, le résultat final ne me. C'est pas mon problème. C'est celui du metteur en scène, du monteur, enfin du travail. Mais je considère que l'acteur est la cinquième roue du carrosse. C'est-à-dire que, bon, c'est lui qu'on voit, à l'image, c'est sûr, mais je dirais que c'est pas parce qu'il y en a d'autres qui sont dans l'ombre que c'est pas le plus important. Voilà. Et alors aujourd'hui, forte de toute cette expérience de cinéma que vous avez eue, quel conseil vous donneriez à un jeune acteur ? De pas trop en faire. De pas tricher. Ça, on le voit tout de suite quand on est spectateur, qu'un acteur est en train de tricher ou de faire les choses qu'il a l'habitude de faire. Voilà, il y a le côté, je roule les mécaniques sur... et là, ça arrête tout, quoi. Et donc, d'être... quand je dis ne pas trop en faire, d'être dans le personnage et d'oublier qui il est.
d'être vraiment, de passer dans l'autre, géographie. Mais vraiment, sans demander la focale. Et un conseil pour un jeune cinéaste. Ah, mon Dieu! Alors, les jeunes cinéastes. Alors, pour les jeunes cinéastes, pensez que le cinéma, c'est de l'argent, que le temps, c'est de l'argent. Et ne pas faire 15 fois la prise, parce que je me demande si ce petit étui serait pas mieux un tout petit peu plus à droite. Bon, on refait la prise. Non, c'est à gauche, c'est mieux. D'accord. Et à ce moment-là, l'actrice dit, on en est à la combien, là? À la 15e? Bon, ben moi, je trouve qu'elle est bonne. Donc, ben, voilà, quoi. Donc, ne pas... un jeune cinéaste... ah, ça passe. Ouh là là. Ça rajeunit. Bon, non, un jeune cinéaste, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Bah, de ne pas se perdre dans trop d'inutilité, j'ai envie de dire, d'être d'être responsable en tout cas. En général, jeune cinéaste, si on dit court-métrage, c'est en général bonne volonté de tout le monde. Donc, faut savoir manœuvrer ça sans en faire. Sans se monter la tête, quoi. C'est un boulot comme un autre. Le plombier, on va pas lui dire « Ah, c'est formidable ce que vous avez fait, mais si on n'a pas de fuite chez soi, on est content. » Donc, faut pas... c'est... Voilà. Pas la ramener, quoi. Merci beaucoup.